Donc c'est le début de la journée, il est 8h. Il est rendu home trainer pour se réveiller tranquillement et on va bien voir comment ça va être la suite de la journée. Ah, starter pack du home trainer. Un petit lot. Oh, enceinte qui est pas trop loin. Et la télé. C'est l'heure du petit déj. Hop, petit porridge, fait maison. Et des petites pommes. Énormément dépendre de l'arrivée de l'équipe. Il est 10h, c'est l'heure d'aller travailler. Sorti TD de Maca, je suis parti pour 2h. On verra ce que je ferai après. Donc à tout à l'heure. Je vais rentrer le repas. Là il est en 13h. C'est l'heure de la petite. On va attaquer après derrière avec une séance de muscles. Et ensuite après. Petite séance de muscu improvisée dans le salon. C'est parti. C'est l'heure du goûter. Petite pause. Voilà, pendant le confinement, on regarde si comment couper les cheveux. Parce que c'est sûr que la matinée, ça va falloir la couper. Donc du coup, je pense que ça va m'occuper un petit peu aussi. On va faire des tests. Vous verrez peut-être plus tard sur les réseaux. Il n'y a plus de goûter, il y a des maths. Donc c'est parti. Je suis parti pour la soirée. Et voilà. Plus de pause. Maintenant il est 18h. J'attends mon tuteur et on va refaire des maths. Donc, grâce à Polytech, j'ai pour mon tuteur. Donc, on va faire ça en visioconférence. Et puis, je suis parti jusqu'à 20h. À tout à l'heure. Et c'est parti pour le rituel du soir. Le coco. Le coco lent. Profite de cette vidéo pour faire une petite aparté. N'oubliez surtout pas pourquoi nous sommes confinés, voilà, le sport peut se mettre sur pause ou peut s'effectuer à l'intérieur, comme on fait d'ailleurs. C'est pas pour autant que je m'entraîne moins bien si je m'entraîne à la maison. Mais surtout n'oubliez pas, restez chez vous. Et c'est ce que tout le monde essaye de faire au maximum pour aider au maximum, encore une fois, les aides-soignants et ceux qui travaillent dedans. Donc restez chez vous et on espère, on croise les doigts, que le nombre de victimes va se réduire et va atteindre zéro au plus vite. Voilà, croisons les doigts.